du bonjour. On a dit bonjour. Voilà, on a dit bonjour. On n'est pas Vald. On n'a pas dit bonjour. Là, on a dit bonjour. Alors, on a deux points de fusion qu'on va s'ouvrir et un tripack Star Étincelante. Alors, on avait déjà ouvert des cartes. Enfin, des cartes. On avait déjà ouvert des boosters du coup avec Marina Fatality. On en avait déjà ouvert il y a quoi? Il y a une semaine et demie. Mais sauf qu'on les a eu grave en avance, du coup on a rien sorti. On a eu des petits trucs sympas, on a eu du V, on a eu du Luminéon, on a eu... Un Lance-Argo, trop bien. Et derrière... Oh, Luminéon V. J'ai ok, la première V, Luminéon V. Elle est super belle. Et un clic. Et derrière... Oh, une V, Zamazenta en V. Oh, GG. Un petit jouet. Trois fondons. Oh, Stal gamin. Oh, mon Dieu. Oh, mais... Donc voilà, et là bah, cette fois-ci on a du coup du point de fusion en même temps que du Star Étincelant. Donc le Star Étincelant, je sais que c'est demandé parce que dedans du coup, si j'ai bien compris, il y a eu le nouveau truc Star dedans, un truc un peu spécial, nouvel type de carte. On va s'ouvrir vraiment que du bon, voilà, y a tout est bon dans le booster Pokémon. Hop, 1, 2, alors hop, on le garde de côté, 1, 2, 3, 4. Et let's go. Alors, on commence avec une petite énergie, psy. Ah, feuille autant. Je déteste les flammes à joues, feuille à joues, je veux dire à chaque fois, je pense. Une danseuse. Alors, brutalité. Brutalibré, pardon. À chaque fois, je dis brutalité. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je sais pas comme là, je vois comme brutalité. Rototop. Un petit Lixi des familles, il est tout mignon. À la poreille. Un Bargantua. Larvibule. Un petit Levenard, du coup. Et derrière, on a un Corailon de Galar, donc c'est pas ouf, faut être honnête, c'est pas ouf du tout, là, le petit Corailon, même si c'est un Pokémon de Galar, c'est pas ce qu'on préférera avoir. Alors, 1, 2, 3, 4, et let's go. Alors, une énergie, Scorvol. Votutrice, alors ça c'est l'évolution du coup de Voltourneau, je crois. Un grelot d'adieu. Le mari des cutes. Ok, Galvaran. Okay. Il est affreux. Il est affreux. Tournicoton. Mouton, qui est un Pokémon que je ne supporte pas. Oh, le Gobou, il est classe. C'est un Pokémon de départ, donc c'est cool. Gobou, il est cool. Balbuto, et derrière nous avons. Alors, on a un Rosabis, mais qui est pas brillant et qui a une rareté. Donc... les deux boosters points de fusion, j'ai pas eu de luck du tout. On va pas se mentir que là, j'ai pas eu de luck du tout. Bah, du coup, on va attaquer les stars étincelantes. Hein. Hop, donc les trois boosters. J'ai jeté le truc, j'ai oublié que j'avais le petit jeton. Le petit jeton. Tac, et poubelle pour le reste. Du coup, le petit Filali. Bon, c'était soit Filali, soit Givrali. Comme moi, j'avais déjà ouvert un pack avec Givrali dans Star Étincelante, bah du coup, j'ai pris Filali pour le coup. Plop, on s'en fout. Alors, lequel on commence? Là, il y a quoi? Il y a Arceus. Lui, je le connais pas. Et ça, c'est Douduvé ou je sais plus comment il s'appelle. Bon, on va commencer par du coup celui que je ne connais pas. Puis on terminera par le petit booster Arceus. J'espère qu'on va avoir de la luck quand même dessus et sortir une petite dinguerie des familles. Ça serait vraiment cool. Et let's go Pikachu. Du coup, alors, une énergie électrique. La mise au point, s'il te plaît. Merci, téléphone. Une énergie. Alors, Barista. On s'en fout un peu. Karmache. Oh, Boscara. Un hôtel pour ça. Ouais, j'avoue. Polarume. Skelenox. Oh, un artichaut en mode dessin par un gamin de 3 ans, cool. Un œuf. Un petit tas de mort aussi, cool, c'est sympa le tas de mort. Alors, Eatran comme ça, et derrière nous avons un truc tout banal qui est un béquet glaçon. Qui brille même pas. Un truc glaçon, ça pue du cul. Et le Noctalis, suivant combien il cote, ouais, on verra. J'étais sage. Faudrait que j'apprenne à ouvrir des boosters Pokémon. Ça pourrait être cool. De façon simple et classe.
de les ouvrir. Alors, une énergie feu pour commencer. Gants de chasse. Dimoré. Alors, un 6H. Merde, oh putain, désolé. Coupe-note. Donc, désolé, bah du coup, derrière un Tarinor qui franchement, c'est un Pokémon qui est un peu affreux. Stalgamin, mon dieu, on a que des trucs tout moches. Un Tic. Un Deden. Ah, je savais pas que Deden était Pokémon psy, je pensais qu'il était électrique. D'accord, les deux types. Un Eoko. Et derrière, nous avons un Manaphy en classique aussi. Ah, la vache, on a aucune rareté. Et on a eu aucune brillante, aucune ultra rare ni rien. Ah, c'est le pack de la mort. Pour l'instant, c'est le tri-pack de la mort. Je vous dis clairement, là, ça régale rien du tout pour l'instant. 3, 4. Alors, une énergie combat. Alors, on voit un Boscara, donc on ne sait pas, on a du long. Ah, un Primplouf. Un Chimpanfeu. Ok, c'est cool, on va. Les trois évolutions des starters, quoi. Boscara, Primplouf et Chimpanfeu. Non, mais sérieux. Le Balbuto. Encore un Stalgamin. Encore un Tarinor. Ah, un Krémy. Krémy, j'aime bien. Il est mignon, Krémy. Un Polarume. Un Léopardus. Et donc, du coup, derrière, nous avons Ascension de Chiren. Elle a une brillance assez. C'est une full art déjà, ça c'est clair et net. C'est une full art, mais après, est-ce qu'elle est jouée? Est-ce qu'elle est intéressante? Qu'est-ce qu'elle dit? Ajoutez à votre main de Pokémon ayant au moins un marqueur de dégâts et toutes les cartes attachées. Ok. En fait, tu récupères un Pokémon qui a des marqueurs de dégâts. Bon, elle a une brillance. C'est assez intéressant, c'est plutôt cool, plutôt rigolo. On va aller voir à combien le code du coup. La curiosité fait que Star étincelante. On va aller voir ça. 13 euros. Ok, t'as déjà dessus. T'es déjà dessus. Trop bien. 13 euros du coup. Ouais. Alors, j'ai pas eu beaucoup de chance sur cette ouverture. C'est un peu triste. J'ai vraiment voulu avoir un bon Pokémon, un peu vraiment. Oui, effectivement, je sais pas qui je le vois. Il est là, donc en ultra rare, effectivement, ouais, autour de 13 bisous, quoi. Ah, je suis triste, ça, j'ai aucune luck sur ces ouvertures. On peut pas toujours être chanceux. Fallait pas en prendre un deuxième, on va pas abuser. Mais voilà, ça a fait la petite ouverture Pokémon du jour en attendant le reste. Bon, après, en river, c'est des trucs sympas, il y a quelques Pokémon cool, mais. Déjà, ça par contre, c'est hyper drôle qu'on ait eu Chimpanfeu, Primplouf et Boscara dans le même booster. C'est assez rigolo. Franchement, c'est assez rigolo. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Puis à très bientôt pour une prochaine ouverture des familles.